La 21e édition du Festival international de jazz de Clermont-Ferrand, Jazz en tête, débutera ce mardi 21 octobre à la Maison de la Culture. Après avoir fêté sa 20e édition en 2007 avec une création mêlant l'orchestre régional d'Auvergne et le trompettiste-compositeur américain Bill Mobley, Jazz en tête, festival de jazz incontournable en France, présente, cette année encore, un programme de découverte et d'incontournable du jazz mondial. Dire que le but d'un festival, un tel festival, c'est de créer une relation de proximité avec un certain nombre d'artistes, une famille d'artistes, des gens, et avec le public. Richard Galliano, c'est quand même extraordinaire. L'année dernière, il était en tournée avec Gary Burton. Bon, cette année, il vient d'enregistrer, il est en tournée avec Rubalcaba, qui aujourd'hui est un monstre sacré du piano, enfin le cage d'arrêt latin, et Charlie Haddon, une figure. Charlie Haddon, c'est le free jazz, c'est les premiers disques de Cage Jarrett, c'est Libération Orchestra, c'est beaucoup de choses. Michel Fitzgerald Michel, c'est un jeune guitariste qu'on avait invité il y a quelques années. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il progresse beaucoup. C'est un émule de Metheny, de Jim Hall et de choses comme ça. Et il est très copain avec Ravi Coltrane. Il a envie de faire quelques dates et d'enregistrer avec Ravi Coltrane. Le jazz en tête est tout à fait dans son élément. De lui permettre de réaliser ça. Seront également présents sur le plateau de la Maison de la Culture tout au long du festival Eric Harland, Nicolas Payton, Michael Zenon, Avishai Cohen, Laika, Aldo Romano, David Freeman, Peter Weniger, Monty Alexander et le projet régional PG Project.